conférence de Serge Deruette sur le curé Mélier. Alors, M. Deruette est docteur en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles et en ce moment professeur en sciences politiques, de philosophie politique et d'histoire des idées et des doctrines à l'Université de Mons. Sa conférence va traiter, c'est un auteur de la fin du 17e et début 18e siècle, théoricien de l'athéisme. Je crois qu'il va détailler l'édition de son livre qui vient d'arriver au Québec et qui a été publié en 2008 en Belgique et en Europe, donc. C'est une réédition commentée des textes du curé et je crois que c'est à peu près tout. Applaudir notre conférencier et je lui laisse la parole. C'est toujours dangereux. Ça, c'est l'effet de la télévision, ça, d'applaudir avant qu'on ait causé. Il vaut mieux attendre. On ne sait jamais à quoi on doit s'attendre. Il vaut mieux. Merci, Gabriel, pour cette belle présentation. J'ai beaucoup appris. je vais essayer, dans la petite heure qui m'est impartie, de vous présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, cet étonnant curé du début du 18e siècle en France, curé fondateur, théoricien de l'athéisme. Donc je vais essayer de le faire, et c'est toujours mon problème puisque je vais parler sans notes, donc de le faire de la façon la plus laconique possible, mais là est un problème pour moi. J'ai toujours tendance à déborder mon temps de parole, donc il faudra peut-être à certains moments me le signaler si mon enthousiasme m'emmène à déborder ce temps. Donc je voudrais remercier également les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de pouvoir parler de ce curé trop peu connu des Ardennes françaises. C'est un grand plaisir et en même temps, chaque fois que je le présente, je dois faire cette première remarque. Comment se fait-il qu'un penseur qui a à ce point innové dans l'histoire des idées soit si peu connu? C'est une des questions à laquelle je vais aussi tenter de répondre. C'est un curé de village, le curé Jean Mélier. Un petit village des Ardennes françaises, je l'ai dit, nord de la France, il y a 150 habitants, peut-être 200 au grand maximum à son époque. Il naît sous Louis XIV en 1664, donc au milieu du XVIIe siècle, et il meurt 65 ans plus tard, en 1729. Il aurait été de 1689 à 1729, pendant les 40 dernières années de sa vie, il aurait été le curé des Trépigniers d'un autre village proche, celui de Balève. Il le reste toute sa vie sans jamais se défroquer et à sa mort, il lègue à la destinée posthume un volumineux mémoire qu'il appelle « Mémoire des pensées et sentiments » de J.M., Jean Mélier. Il le laisse à la destinée posthume. 1729, le siècle des Lumières vient à peine d'éclore et le mémoire de Mélier va donc circuler dans ce circuit de diffusion des manuscrits clandestins au XVIIIe siècle. Et il n'aura pas, ce mémoire, le succès et l'ampleur que Mélier aurait souhaité qu'il ait. Et je vais l'expliquer si j'ai l'occasion rapidement, sinon je reviendrai dans les questions sur ce non-succès au XVIIIe siècle de son mémoire, alors que tous les penseurs des Lumières les plus importants, Voltaire en premier, connaissaient ce mémoire. Holbach aussi connaissait, Diderot connaissait Mélier. Les penseurs des Lumières se sont nourris de sa pensée. Alors, en quoi est-il étonnant, ce curé de village? D'abord, c'est un curé de village philosophe. Voltaire le dit. Il s'en étonne. Il dit, voilà un bel argument pour contrer l'Église catholique, pour combattre l'infâme, qu'un curé critique sa propre Église. Un curé de village qui se fait philosophe et penseur politique également. Il est les deux à la fois.
philosophe et penseur politique. Je vais essayer aussi, dans le cadre de cette courte présentation de Jean Mellier, de montrer comment se combinent ces deux aspects de sa pensée philosophie et pensée politique. Alors peut-être d'abord ce que l'on sait sur lui. On en sait très peu de choses. Sa date de naissance, sa date de décès, 1664-1729. Les Ardennes françaises, c'est le nord de la France, un petit village. Il y a, pour ceux qui jettent un coup d'œil sur Internet et qui tapent le nom de Mellier, Jean Mellier ou curé Mellier, il y a l'un ou l'autre portrait de lui qui circule sur l'Internet. Ils sont tous aussi fantaisistes les uns que les autres. On ne sait pas à quoi Mellier ressemblait physiquement. On n'a aucune représentation picturale de lui. Et on sait très peu de sa vie. Vraiment très peu. On sait certaines choses par les rapports de l'archevêché de Reims, qui va enquêter à son époque sur ces curés. Et on a quelques rapports dans lesquels on a la mention de Jean Mellier. Premier rapport, c'est un archevêque qu'il avait formé, qui était assez contestataire, janséniste, c'est un rapport qui sera relativement positif. La seule chose qui est mentionnée, c'est qu'il a à son service une jeune servante qui est loin d'avoir l'âge canonique. Elle a 24 ans, pendant qu'il en a 32. Ça ne va pas, mais ça ne fait pas tant de problèmes que ça. Ce n'est pas d'ailleurs le seul des curés à avoir une servante plus jeune, qu'il présente comme étant une parente, une cousine. Deuxième rapport, nettement plus négatif. Deuxième rapport nettement plus négatif du deuxième archevêque, un grand seigneur, aristocrate. C'est celui qui va sacrer roi Louis XV en la cathédrale de Reims. Et lui veut combattre ce courant contestataire du jansénisme. Il explore tous ses curés. Il y a une contestation janséniste dans la région, incontestablement. Contestation janséniste à laquelle Mellier ne participe pas. Je fais une petite parenthèse. Il y a une pétition des curés de l'archevêché de Reims pour soutenir les thèses jansénistes. On trouve beaucoup de noms de curés de village. On ne trouve pas celui de Jean Mellier. La querelle entre l'Église catholique, les jésuites et le jansénisme ne l'intéressait pas. Mellier n'est pas un réformiste, lui qui voulait supprimer, éradiquer la religion, l'Église et Dieu lui-même. De ce rapport de l'archevêque, on en retient qu'il a une deuxième servante qui est loin d'avoir l'âge canonique, est encore plus jeune, il doit avoir 50 ans, elle en a 18, elle est aussi une parente, une cousine, telle que Mellier le présente. Il doit s'en séparer. Là. Il est obligé de s'en séparer dès 1716. Et c'est à peu près tout ce qu'on connaît de sa vie privée, sinon par les quelques traces qu'il en laisse dans son mémoire. Et il laisse très peu de choses. On peut savoir que ça devait être apparemment un bon curé. Quelqu'un qui était apprécié de ses paroissiens, il écrit pour ses paroissiens, c'est un trait, j'y reviendrai, un trait spécifique du méliérisme, de la conception athée de Mellier, que d'adresser son athéisme à ses paroissiens et au-delà de ses paroissiens, à tous leurs semblables, comme il le dit, c'est-à-dire aux pauvres et aux paysans, là où l'athéisme des libertins XVIIe, XVIIIe siècle s'adresse exclusivement à l'aristocratie, à la bourgeoisie montante, c'est-à-dire à l'élite intellectuelle et méprisante du peuple. Mellier, lui, a cette spécificité de présenter un athéisme qui est considéré comme un instrument de libération des opprimés qui ploient sous le joug de la féodalité. On sait cela pour
la petite histoire, puisque j'ai annoncé, c'est toujours ce qui peut être moins ici, mais dans les conférences grand public que je fais, c'est toujours ce qui intéresse aussi. Je pense que ça pourrait intéresser d'ailleurs ici ce qui intéresse le public. J'ai parlé de ces deux servantes. Dans son mémoire, il fait une allusion. Je la dis directement, comme ça sera fait. Une allusion à la question du sexe. Je vais la lire, je vais la reprendre. C'est d'une certaine manière une confidence, et une confidence assez pudique au partage complice auquel il convie ses lecteurs et il nous convie. Donc je l'ai reprise dans mon livre. « Sot, dit Méliès, sot, à mon avis, sont ceux qui, par bigoterie et par superstition, n'oserait goûter au moins quelquefois à ce qu'il en est des rapports entre les sexes. » Voilà une confession que fait Méliès, comme ça les choses sont dites. Ça lui est arrivé à ce curé de village. On en est content pour toi, Jean. Hein, bon. Et on en est d'autant plus content qu'on peut présenter ce par quoi tu voulais être retenu dans l'histoire, c'est-à-dire par cet athéisme. Dernière chose que l'on sait de lui, dans le rapport du dernier des archevêchés, il est venu enquêter sur Méliès parce que le seigneur local, le seigneur de son village, le seigneur des Trépigny, a été particulièrement malmené par son curé. D'abord, le curé ne lui accorde pas la préséance. Il a droit à un banc, mais d'autres, les vieux, ont droit aussi à un banc, tout comme le seigneur à la messe. Pas de préséance pour le seigneur. Et puis il faut que le curé, ça va de soi. C'est la collusion inévitable dans la féodalité entre le clergé et la noblesse. Il est inévitable que Méliès recommande au prône, c'est-à-dire dans son sermon, le seigneur de sa paroisse. Et Méliès avait l'habitude, vraisemblablement, de s'en acquitter et de le faire comme ses autres obligations ecclésiastiques, il le dit dans son mémoire, avec assez de négligence, mais il le faisait. Mais voilà qu'un dimanche de juin 1716, Méliès monte en chaire, il n'y a pas de chaire dans cette petite église que l'on peut toujours visiter, toujours debout, des Trépigny extrêmement étroites, une expression, il monte en chaire pour son prône, pour son serment, et il dit « Je devrais, comme il est de coutume, recommander à Dieu le Seigneur de ce lieu, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'on ne peut pas à la fois réclamer la faveur divine et maltraiter comme il le fait ses hommes et ses paysans. » Bon, l'archevêque, le seigneur, ne bondit chez l'archevêque. Méliès est prié de s'amender le dimanche suivant. Et il va s'amender. Il va s'amender et on en retrouve la trace dans les rapports d'archevêché qui notent cette affaire. Il va s'amender d'une bien curieuse manière. Recommandons, dit-il, recommandons à Dieu le Seigneur de ce lieu, puisque il me l'est demandé. Les archevêques sont de grands seigneurs. Ils n'ont d'oreille que pour leur père, la noblesse. Ils n'écoutent pas les petits curés de village. Et donc, nous recommanderons à Dieu, puisque c'est ce qui m'est imposé, le Seigneur de ce lieu, pour qu'il lui fasse la grâce de ne plus exploiter le pauvre et de ne plus opprimer les paysans. Oh là, là c'est la sanction. Méliès est convoqué un mois de retraite au séminaire de Reims. Il le fera ce mois en novembre 1716. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur Méliès. Novembre 1716, il meurt.
si l'on veut, je peux revenir dans le débat sur les conditions de sa mort, mais on en est qu'à l'état d'hypothèse que j'essaie d'explorer également, mais ce ne sont que des hypothèses. 1716, c'est 13 ans avant sa mort. Et c'est très vraisemblablement à partir de cette date que va naître chez lui l'idée de rédiger ce mémoire de ses pensées et sentiments qui va être cette bombe philosophique et politique, ce traité dans lequel rien, ni le pouvoir temporel, ni le pouvoir spirituel, n'est respecté. Pourquoi après, on sait qu'il écrit dans les dernières années de sa vie? On le sait parce que le papier sur lequel il copie son manuscrit, et le recopie au moins en 3 exemplaires, on en a conservé 3 exemplaires à la Bibliothèque nationale, à Paris, dans le fonds français. Ces 3 exemplaires qui sont autographes, 3 exemplaires de la main de Méliès. Ce papier sur lequel il écrit, il vient d'une papeterie qui n'existait pas avant 1719. Il ne peut pas avoir mis la main finale avant 1719. Autre élément, c'est de l'anecdote ici, une des rares mentions historiques qu'il donne dans son mémoire, c'est de parler du duc d'Orléans qu'il considère, qu'il appelle comme le ci-devant régent de France. Il est ci-devant, il ne l'est plus, il meurt je ne sais plus quel jour du début de décembre 1723. Donc la mise au propre de ces copies du mémoire date d'après 1723. On est au début du XVIIIe siècle, on est après 1716. C'est cet événement, je pense, qui l'a amené à consigner par écrit toutes les raisons de ne pas croire, mais aussi toutes les raisons de vouloir éliminer à la fois l'Église, la religion et Dieu. Pourquoi je le pense? Méliès, qui était proche, quand il en parle, on le sent dans son mémoire, il le lègue son mémoire à ses paroissiens. Il s'excuse auprès de ses paroissiens de les avoir abrutis. Hein, il s'en excuse en disant, vous savez bien que je n'ai jamais été à très à cheval sur la bigoterie, hein, quand vous venez me trouver, ce n'était pas des prières, hein, que je vous conseillais de faire, je vous donnais quelques conseils, j'espérais le plus avisé. Méliès était très proche de ses paroissiens, il a voulu les défendre, on en a une attestation contre son seigneur, et il est muselé, bâillonné, il ne peut rien faire contre, il a perdu une bataille. Mais s'il a perdu une bataille, Méliès voudra remporter la guerre. La guerre non seulement contre son seigneur local, mais contre toute la féodalité et contre tout ce qui soutient la féodalité. Abattre la féodalité. Voilà l'objectif de Méliès. Et comme la féodalité est soutenue et bénie par l'Église, abattre l'Église. Et comme l'Église se fonde sur la religion, abattre la religion. Et comme le fonds de commerce de la religion, c'est Dieu, abattre Dieu. Voilà ce qui va amener Méliès à écrire son mémoire. Qu'est-ce que son mémoire? Quand on l'a publié en 1970, 71, 72, aux éditions Anthropos, par les soins de Roland Desnay, je remercie beaucoup d'avoir fait la préface à mon ouvrage, un de ces trop rares ouvrages encore sur Méliès, si peu connu. J'en dirai un mot, tiens, de ce bon livre que je vais vous conseiller tout à l'heure. Quand Roland Desnay va publier ce mémoire en 3 tomes aux éditions Anthropos, épuisé il y a 2 ans sur Internet, on était à 700 euros, c'est un petit millier de dollars canadiens. On est descendu à 400, aux alentours de 550 dollars canadiens aujourd'hui pour ces œuvres complètes qui sont complètement épuisées. C'est 1500 pages. Le texte a été réédité, c'est heureux, en 2007 par cette maison d'édition qui réédite tant de textes de libres penseurs et de penseurs des Lumières qu'est Coda.
en 600 pages, extrêmement compact. Mon ouvrage, dans lequel j'essaye de donner à lire, il y a beaucoup d'extraits du mémoire de Mélier que je commente, que j'introduis, il vise aussi à emmener le lecteur à aller sur ce texte qu'on a aujourd'hui épuisé d'ailleurs. J'espère qu'il sera réédité d'ailleurs dans de meilleures conditions que ces 600 pages trop larges et compactes, au moins qu'on fasse une petite marche pour que ça, on puisse lire ce volumineux mémoire. Qu'est-ce qui renferme ce mémoire de Mélier? Je vais, si j'ai un peu de temps, j'en ai un peu, hein, pour me l'accorder rapidement, essayer d'en donner la structure. On peut y distinguer trois parties. La première, c'est celle qui va intéresser Voltaire. C'est la moins importante, d'une certaine manière, en termes d'histoire des idées. C'est vrai que c'est aussi peut-être la plus truculente. C'est la critique qu'il fait de la religion chrétienne et de l'Église catholique. Critique dans lequel il va rechercher toutes les contradictions des évangiles et de l'Ancien Testament. Il est d'une certaine manière, pour les évangiles, le premier à faire la lecture synoptique avant Griesbach, qu'il a entreprise, le premier à faire la lecture synoptique des trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc pour en montrer les contradictions. Mais il s'attache aussi à démontrer les erreurs, comme il appelle, de doctrine et les erreurs morales de la religion chrétienne. Je ne vais pas m'apesantir trop, parce que j'ai trop peu de temps pour le faire. J'y reviens dans la question, si vous le désirez, quelles sont ces erreurs qu'il va mettre en évidence. Je vais essayer d'en dire deux rapidement. La première, parce qu'elle n'est pas sans importance, mais il y a le premier qui établit que la religion chrétienne, comme imposture, se présente comme un monothéisme. Ce n'est pas un monothéisme. Il y a trois personnes en Dieu qui sont chacune considérées comme des dieux. En conséquence, c'est un trithéisme. Il y a trois dieux, et trois dieux, ce n'en est pas un seul, et un, ce n'est pas trois en conséquence. Le catholicisme, le christianisme n'a aucune raison de se présenter comme monothéisme. La deuxième, sont très imagées. Mélier s'en prend à l'idolâtrie et il donne raison aux catholiques de condamner l'idolâtrie des païens, ces gens qui vénèrent des statues d'or, de marbre, voire même de bois. Comment peut-on vénérer ce genre de choses, idolâtrer ce genre de choses? Les catholiques ont bien raison de critiquer cette idolâtrie. Mais les catholiques, ils font pire. Ce n'est pas des statues d'or, de marbre ou de bois qu'ils idolâtrent. Ce sont des petites pièces de pâte et de farine, comme il le dit, que l'on fait cuire entre deux fers, sur lesquels on prononce quatre paroles, et qui sont considérées comme étant des dieux, même. Quelle ridicule idée que de considérer là des dieux, là où il faut les enfermer dans des boîtes, parce que le moindre souffle de vent les fait s'évaporer, les fait s'envoler, et que les souris, même les limaces, hein, vont pouvoir les manger. Voilà donc, rapidement, l'un ou l'autre petit exemple, hein, de ces passages truculents. Il y en a d'autres, hein, lorsqu'il prend les raisons de croire, les miracles, ce que l'on dit dans l'Ancien Testament sur les miracles, qu'il faut qu'ils donnent la raison de croire, mais pas tous les miracles, hein, parce qu'il y a des faux faiseurs de miracles qui font de faux miracles. Il ne faut certainement pas se laisser aller à ça. La comparaison qu'il fait entre les miracles de Moïse et les miracles des magiciens de Pharaon, elle tourne à l'avantage des magiciens de Pharaon, hein, dans le texte sacré lui-même de l'Ancien Testament. Mélier relève tout ça. Partie truculente, Voltaire y trouvera son compte. Voltaire, je le dis rapidement, va dans les années 1760 publier ce qui est à l'état de manuscrit qui circule sous le manteau dans le 18e siècle, manuscrit clandestin. Il va publier une partie de ce mémoire de Mélier. Il en conserve une cinquantaine de pages et il ne conserve effectivement que
Cette critique des contradictions des textes sacrés du catholicisme, cette critique de la morale, cette critique de la doctrine chrétienne de Mélier, en laissant de côté ce qui fait la spécificité de Mélier sur laquelle je veux venir maintenant pour terminer cet exposé, c'est-à-dire sa pensée philosophique matérialiste, son athéisme, et puis sa conception sociale égalitaire et révolutionnaire. Voltaire écarte tout ça. Voltaire ne reprend dans ce qu'il appelle un abrégé du curé Mélier que ce qui convient à son combat de grand bourgeois déiste, la critique de l'infâme, la critique de l'Église, la critique du catholicisme. Et il ne reprend qu'une cinquantaine de pages, et Voltaire non seulement mutile Mélier là-dessus, mais Voltaire, tout le respect que l'on doit à ce grand penseur, enfin, on est au Québec ici, on n'est pas en France, il m'arrive d'être en France, là, c'est autre chose que le respect que l'on doit à ce grand penseur, c'est un faux cul. Voltaire, non seulement mutile Mélier, il lui coupe les parties les plus intéressantes, mais il y rajoute une demi-page de sa propre plume dans laquelle il fait s'adresser fielleusement Mélier à Dieu, il fait s'adresser Mélier à Dieu pour lui demander pardon de l'avoir à ce point tant malmené en critiquant l'Église catholique et en prônant alors la religion naturelle, celle que Voltaire veut promouvoir. Ce n'est pas la manière dont le curé Mélier pourra être le mieux connu, parce que des curés qui critiquent la religion dans le XVIIIe siècle, il y en a quelques-uns. Donc ce qui fait sa spécificité, son athéisme, sa philosophie matérialiste, sa conception égalitariste et révolutionnaire a été complètement masqué. Je l'ai dit, si Mélier écrit son mémoire, c'est parce qu'il veut abattre la féodalité, donc il faut abattre l'Église, abattre la religion et donc abattre Dieu. Il va commencer. La deuxième partie de son mémoire, première partie, donc cette critique des contradictions de la religion catholique et de l'Église. La deuxième partie, c'est peut-être la plus courte des parties. C'est sa partie sociale, sa partie de critique et de dénonciation sociale. C'est la plus courte. Mais elle est introduite elle est mentionnée dans son introduction. Introduite dans son introduction, ça ne va pas. Elle est mentionnée dans son introduction, c'est pour ça que Mélier écrit, et il va la rappeler, et avec force, dans la conclusion de tout son mémoire, où là il appelle ses paroissiens et tous leurs semblables, tous les peuples de la terre. Ah, je vais le citer encore, mais j'ai toujours du mal, il n'y a que quatre mots, mais j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les acteurs de théâtre qui connaissent des textes entiers, je n'ai pas cette mémoire. Il va défendre la révolution, cette si noble, si généreuse, si importante et si glorieuse entreprise. Et il a pour cette révolution, pour laquelle il convoque les masses, à la fois un projet et aussi un programme révolutionnaire. J'y reviendrai en concluant ce petit exposé. Mais je voudrais traiter de la troisième partie, je vais le faire trop rapidement parce que là elle est fondamentale. Cet athéisme, si Dieu n'est pas, doit déboucher sur une analyse matérialiste. Et Mélier va renouer ainsi avec cette grande et longue tradition du matérialisme de l'Antiquité que l'on connaît si mal parce que le catholicisme pendant un millénaire s'est efforcé et est parvenu à la détruire. Cette longue et profonde tradition de matérialisme, ce large courant philosophique qui a traversé l'Antiquité grecque et romaine pendant 5 siècles de Leucippe, Démocrite, jusque Épicure et Lucrèce dans le monde romain. L'Église catholique, par auto-da-fé, en brûlant les livres, parce qu'en termes d'argumentation, elle en était incapable, à supprimer, on retient de cette grande tradition, ce que de bons auteurs, Diogène Laërce, ce que des pourfendeurs du matérialisme de l'époque notent pour pouvoir critiquer ce matérialisme des éléments. Mélier va renouer avec cette tradition matérialiste.
Il renoue de quelle façon si Dieu n'est pas, si le monde n'a pu être créé par Dieu, le monde est incréé, l'être c'est la matière et la matière a d'elle-même, en elle-même, son propre mouvement. On est en 1729, avant 1729 date de sa mort. Il y a plus d'un siècle, 120 ans au moins, avant Engels dans sa formule célèbre. Il n'y a pas plus de matière sans mouvement qu'il n'y a de mouvement sans matière. C'est déjà plus d'un siècle avant le 19e siècle dans Méliès. Et qu'est-ce qui sépare Méliès d'Engels ? La Révolution française ? La révolution industrielle, la domination de la bourgeoisie, la constitution du monde ouvrier, Méliès ne connaît aucune de ces grandes transformations qui marquent le 19e siècle, début du 18e chez lui. Et il développe déjà cette conception matérialiste achevée. La matière est incréée, elle doit avoir d'elle-même son propre mouvement. Le mouvement est interne à la matière. La matière à plusieurs modes de fonctionnement, ce qui sont toutes des modifications de la matière, jusque et y compris, j'y viens tout de suite, l'âme, c'est-à-dire en termes d'époque, non pas l'âme telle qu'on l'entend aujourd'hui, les pensées et les sentiments sont matériels. Les pensées et les sentiments, c'est quoi ? C'est pour Méliès, la matière qui pense et qui sent. Et il rectifie, c'est trop vague. C'est l'homme composé de matière qui pense et qui sent, et non seulement l'homme, les animaux également, parce qu'ils sont, contrairement à ce que disent les cartésiens, ils sont doués de sentiments, doués également de pensées. Donc Méliès va établir, va développer au long de centaines de pages une conception qui renoue avec le matérialisme antique et par bien des points le dépasse. Matière incréée, le temps non plus, le temps ne peut avoir été créé. Le temps est de tout temps, il ne peut y avoir de moment qui serait hors de temps à partir duquel on a créé le temps. L'espace ne peut avoir été créé. L'espace est infini. Il n'a pas de début, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Voilà la théorie rapidement développée du matérialisme de Méliès. Mais pour l'établir, il va le faire avec très peu de livres, mais en prenant comme tremplin et en même temps comme repoussoir, tremplin et repoussoir, le cartésianisme. Cette pensée du siècle précédent, cette pensée qui avait tenté de combattre un pan de l'obscurantisme religieux, de combattre la pensée de l'école, la scolastique. Et qu'il avait fait au XVIIe siècle, comment ? Qu'il avait fait en donnant des gages, et des gages énormes à cette pensée obscurantiste, pour pouvoir envisager que la raison puisse expliquer le monde, Descartes doit concéder que Dieu existe et il va prouver l'existence de Dieu. On a dit tout à l'heure, l'intervenante précédente, j'ai toujours un problème avec ça et j'entends ça de plus en plus souvent, que Descartes aurait été un athée qui se camouflait. Descartes prouve l'existence de Dieu. On peut difficilement en faire un athée, même si les conditions de la répression de son époque, effectivement, peuvent justifier qu'il se tenait à carreau là-dessus, mais liées aussi, c'est les mêmes conditions. 1729, on brûlait encore les apostats, les curés qui reniaient leur religion. Et 40 ans plus tard, le chevalier de la Barre montrera que pour bien moins qu'un brûlot, un mémoire de Méliès, on brûlait encore en trois endroits, sur des bûchers allumés en trois endroits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Descartes prouve l'existence de Dieu pour pouvoir développer la raison. Je vais aller rapidement ici parce que je vois que le temps presse, il met en place une pensée qui est empreinte de contradictions et qui, quel que soit, je vais aussi donner une conférence en France, quel que soit ce que les Français pensent
de Descartes, hein, ce tout grand penseur. Sa pensée n'était pas destinée à durer parce qu'elle est rongée par cette contradiction profonde. C'est laquelle ? Ben de sa main gauche, hein, Descartes tend vers le matérialisme, la matière qui s'explique par la raison et indépendamment de la conception divine. Mais par son pied droit, il est entièrement chevillé dans la pensée obscurantiste de son temps. Il va prouver Dieu et il va le faire en montrant que l'homme est divisé en un corps étendu et un corps spirituel, une res extensa, une res cogitans, une chose, une substance étendue, une chose, une substance spirituelle, qui sont reliées entre eux, qui interagissent l'une avec l'autre, mais qui n'ont pas de rapport, puisque ce qui est matière est de l'ordre du monde, mais ce qui est âme est de l'ordre de Dieu, et on ne peut pas leur enlever. Méliès va canonner sur cette pensée cartésienne, j'ai tremplin, et à la fois repoussoir pour développer son matérialisme. Si Descartes aboutissait en ouvrant la porte, en ouvrant une porte, hein, dans ce mur de l'obscurantisme religieux, il aboutissait sur quoi ? Mais sur un autre mur. Si on veut avancer, on s'y fracasse. On peut développer la raison pour peu qu'on prouve avec la raison que Dieu existe. La boucle est bouclée, là, hein, on n'avance pas très loin avec de telles positions. Les cartésiens chrétiens, ceux que Méliès prend à partie, Fénelon et Malebranche ne s'y trompent pas. Hein, là où certains réactionnaires crient au scandale face à Descartes, qui détruit les raisons de la croyance, hein, celle fondée sur les textes sacrés, Fénelon et Malebranche, en modernistes chrétiens, ont très bien compris qu'on peut, avec la raison, avoir un argument supplémentaire pour prouver que Dieu est, pour prouver qu'il existe. Et prouve par la raison que Dieu existe, mais il y a canon sur ces penseurs, ces cartésiens chrétiens que sont Fénelon et Malebranche. Eux rebroussent chemin après l'ouverture de Descartes. Vers la raison, ils rebroussent chemin pour justifier que Dieu était, parce que cette porte cartésienne s'ouvrait contre un mur. Et Méliès, qu'est-ce qu'il fait ? Mais Méliès, il abat le mur cartésien. Et il ouvre l'horizon à une connaissance du monde débarrassée définitivement de Dieu. Rapidement, il le fait sur plusieurs points. Rapidement, sur trois points. Je laisse tomber le troisième. Sur deux points qui me semblent importants. Descartes associe, assimile matière et étendue. S'il y a de la matière, il faut nécessairement qu'elle soit étendue. S'il y a de l'étendue, elle est matière. C'est une équation. Matière égale étendue et étendue égale matière. Un axiome incontestable pour Descartes. On ne fait rien à la contre. La matière, c'est de l'étendue et l'étendue, c'est de la matière. Méliès va contester ce point de vue. Il peut être de la matière qui ne soit pas étendue, comme il le dit dans les termes qui sont ceux de Descartes. Il existe de la matière qui ne soit ni ronde, ni carrée, ni coupable en morceaux. Il peut y avoir de la matière non étendue. C'est la matière que l'on appelle l'âme, l'âme matérielle, la pensée, les sentiments, les émotions sont un mode de transformation de la matière. C'est là-dessus qu'il condamne le cartésianisme et qu'il prend cette distance avec la dualité, le dualisme, la contradiction cartésienne pour inaugurer un matérialisme débarrassé de ses scories religieuses. Deuxième élément que je voulais signaler, dans le monde rural qui est le sien, Méliès a un amour de ses paroissiens, mais aussi des animaux. Il le dit d'ailleurs souvent, il va critiquer l'Église, les sacrifices d'animaux, le sage Salomon, tiens. Combien, j'ai oublié le chiffre, non, je le retrouve, 60 000 bœufs et 22 000 brebis sacrifiés en holocauste par Salomon à son Dieu. Méliès, ça ne va pas. Il a un amour des animaux. Le cartésianisme ne nourrit pas ce même amour des animaux. Pourquoi ? Parce que le cartésianisme dénigre l'animalité. Il rabaisse l'animalité pour pouvoir élever l'homme avec son âme au rang de créateur, au rang de créature particulière de Dieu. Pour Méliès, rien de tout ça.
Mélier va ravaler l'homme au rang de l'animalité, les mettre sur un pied d'égalité, pour pouvoir ravaler ensuite Dieu au rang de création particulière des hommes. Et rien d'autre. Donc deux éléments, et il y en a bien d'autres sur lesquels Méliès va construire sa pensée nouvelle. Dernier point, je terminerai là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été peut-être un peu long. Ça ne m'étonne pas. Mais dernier point, sa pensée sociale et politique. Je l'ai dit, s'il écrit, s'il dénonce Dieu, s'il construit une pensée philosophique matérialiste, il le fait parce qu'il a cette singularité parmi tous les penseurs qui se déclareront ouvertement ou de façon voilée athées, avec du XVIIe et du XVIIIe, avec tous les penseurs du XVIIIe qui vont former le matérialisme qui est une des composantes de ce nouvel esprit des Lumières. Il y a une différence avec Méliès. Tous ces penseurs ont en commun de mépriser le petit peuple ignorant. Leur athéisme, c'est à usage particulier pour l'élite, pour l'intelligentsia aristocratique, grande bourgeoise, mais pas pour ce petit peuple qui poit sous le labeur des champs et qui ne sait même pas lire. Ceux-là peuvent rester abrutis par la religion Voltaire. Foucault. Voltaire ne s'y trompe pas d'ailleurs, qui dans sa propriété de Ferney entretient un curé et une chapelle pour ses domestiques. Parce qu'il ne faudrait quand même pas que ses domestiques commencent à faire de la mécréance. Hein. On ne sait pas où ça pourrait conduire. Méliès n'a pas ses délicatesses. Il écrit pour libérer le peuple. Et il a, je l'ai dit, un projet, un programme révolutionnaire. Son projet, société réconciliée, société où on se partage tout en commun, à la fois le travail et les fruits du travail. Rien de nouveau sous le soleil. Depuis Thomas More, début du XVIe siècle, il y a eu des tripotées de penseurs utopistes. Il y en aura encore dans le XVIIIe, il y en aura encore même jusqu'au XIXe siècle. Le dernier en date fin du XIXe siècle, c'est William Morris, la dernière utopie optimiste au XXe siècle. Toutes les utopies sont pessimistes, hein, la science-fiction 1984, Brave New World, etc. Mais rien de nouveau donc dans cette conception sociale. On se partage tout en commun, on travaille en commun. Tout qui bénéficie des richesses communes doit le faire par son travail. Cela exclut les parasites sociaux que sont la noblesse notamment et les moines. Les moines qui engrangent leur richesse sur le dos des croyants. Rien vraiment de nouveau sous le soleil. Peut-être ceci, l'éducation des enfants, ça a été dit par d'autres, éducation en commun. Peut-être ceci également, et là ça en fait aussi un étonnant précurseur du féminisme. La dissolution des mariages, qui est conçue non pas dans une perspective libertine quelconque, mais les mariages doivent pouvoir être dissous parce que de mauvais mariages font le malheur des époux, mais le malheur des enfants également. Et c'est surtout les pauvres qui pâtissent de cette condition. On trouve une réflexion chez Méliès qui est une réflexion de précurseur du féminisme. Il considère homme comme femme sur pied d'égalité totale, ce qui est étonnant pour son époque où même les plus égalitaires faisaient cette distinction entre les sexes. Mais ce qui va distinguer Méliès de tous les autres utopistes du XVIe, XVIIe, XVIIIe, voire même XIXe siècle, c'est qu'il est lui un révolutionnaire. C'est le seul d'ailleurs, je n'y avais pas pensé, c'est pas noté dans mon livre. Ça sera noté dans le prochain, sur la pensée sociale, politique et stratégique de Méliès. Je n'y avais pas pensé, c'est une historienne française à qui j'avais envoyé mon livre qui me l'a fait remarquer, mais Méliès, c'est le seul penseur révolutionnaire du XVIIIe siècle avant la Révolution. Le seul penseur qui prône ouvertement la Révolution, qui se prononce pour le tyrannicide,
qui renoue avec cette tradition antique d'une itinératie, le droit de supprimer le tyran s'il va à l'encontre de la volonté populaire. Celui par lequel, quand on le connaît, on retient cette formule, là pour les traducteurs, je vais m'en excuser, très difficile à traduire, cette formule des tripes aristocratiques à usage, des tripes ecclésiastiques à usage des lanternes aristocratiques, il se prononce pour que l'on pende à la potence le dernier des aristocrates avec les boyaux du dernier des prêtres. C'est la formule que l'on retient souvent et par laquelle on a l'habitude aussi quelquefois de trop rapidement résumer, synthétiser, Méliès, sa pensée sociale va bien plus loin. En quoi va-t-elle plus loin? Méliès, premier penseur révolutionnaire du XVIIIe siècle, le seul, c'est vrai, le seul, parce que Robespierre et Saint-Just sont des révolutionnaires, mais ils le deviennent à la faveur des événements révolutionnaires. Quand il monte à Paris, Robespierre, en 1789, n'est pas révolutionnaire, il le devient par les événements. Méliès, 1729, avant 1729, il se prononce pour la révolution, et il se prononce pour la révolution d'une façon étonnamment moderne. Il voit la transformation de la féodalité à travers l'action populaire de masse. Et pour ça, dit-il, pour vaincre le poids de la féodalité et de cette répression féodale, il conseille à ses confrères, les curés, et à toute autre personne éduquée et sensée de laisser, comme il le fait à sa mort, un mémoire de ses pensées et sentiments qui va circuler pour pouvoir diffuser la pensée nouvelle, pour pouvoir développer la conscience populaire, et il a une perspective de lecture conspirative, celle que les socialistes du 19e siècle, lorsqu'ils s'adressent au monde ouvrier, vont mettre à l'honneur. On diffuse des écrits subversifs et contestataires du capitalisme au 19e siècle dans ce monde ouvrier qui est en grande partie constitué d'un alphabet. Les ouvriers ne lisent pas ce qui est écrit, mais il y a des lectures collectives qui sont faites et expliquées par ceux qui savent lire. Méliès le voit aussi comme ça, lecture conspirative, développement de la conscience populaire, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la grève générale révolutionnaire, ça se trouve dans Méliès. Croisez-vous les bras, dit-il, ne donnez rien à ces noblesses suffisantes et inutiles. Elles vivent de votre labeur, arrêtez de travailler pour les laisser se dessécher. La grève générale révolutionnaire se trouve dans Méliès. La transformation, ça c'est moderne, Première Guerre mondiale, transformation de la guerre des nations en guerre sociale, de la guerre étrangère en guerre civile. Retournez les armes que les possédants vous mettent dans les mains pour aller vous entretuer à leur propre profit. Retournez ces armes contre ceux qui vous envoient vous entretuer. Et il appelle à tous les peuples de la terre, à la sédition révolutionnaire lorsqu'ils sont armés, plutôt que d'aller s'entretuer. Et puis on trouve même une formule qui en fait frémir depuis quelques années plus d'un, et y compris les plus radicaux. L'idée de l'oppression des oppresseurs. Il y avait une formule dans le 19e et le 20e siècle pour ça, on appelait ça la dictature du prolétariat. Pas de prolétariat chez Méliès, hein. Il voit que le monde paysan, mais il appelle les paysans à opprimer leurs oppresseurs. Opprimez, leur dit-il, opprimez vos oppresseurs vous-même, ne leur laissez aucune liberté. Votre devoir pour vous libérer est de les supprimer, en tout cas de supprimer leur capacité à vous nuire. On retrouve ce programme chez Méliès. Donc, Méliès écrit, et je vais terminer, il est temps là d'ailleurs, hein, parce que si vous voulez avoir la parole, je vais terminer là-dessus. Méliès écrit son mémoire athée qui va faire de lui le premier, oui, il reste 10 minutes. Oui, tu n'en parles plus. Il est le premier à développer
une théorie de l'athéisme du matérialisme qui renoue avec une conception sociale égalitaire et qui est à la fois révolutionnaire. Donc c'est ce penseur très méconnu, parce que trop radical, j'en viens à prononcer le débat, s'il est encore possible de le faire, trop radical, qui a été obnubilé, occulté au XVIIIe et puis au XIXe, et que seulement aujourd'hui on voit ressurgir, c'est celui que j'ai tenté de présenter dans mon ouvrage. Alors cet ouvrage, je vous le recommande évidemment, il est disponible sur la table des ouvrages, hein, la publicité ne fait pas de tort, quand c'est pour la bonne cause, il semble gros, mais c'est un faux gros ouvrage. Il y a 80 pages où je tente de présenter qui est Méliès, de le situer de façon un peu plus argumentée que j'ai pu le faire maintenant, qui est Méliès dans l'histoire des idées, ce qu'il a été. Et puis le reste, les 300 pages, mais c'est d'une certaine manière le sixième, la réduction au sixième de son mémoire, la partie la plus difficile pour moi à rédiger, parce que dans Méliès, c'est comme dans le cochon, hein, tout est bon dans le cochon, tout se mange, et là j'ai dû tailler dans le vif, et j'ai repris un sixième d'extrait, introduit et commenté, y compris pour les difficultés. Donc pour présenter Méliès, je le termine en plus avec, pour le lecteur pressé, une vingtaine de pages de citations de Méliès lui-même. Méliès commence à être connu à peine maintenant, c'est-à-dire près de 3 siècles après sa mort, début du 21e siècle. Reste à espérer que ce 21e siècle, contrairement à ce que disait Malraux, que le 21e siècle soit celui de Méliès. Merci pour votre attention. Voilà, il reste quelques minutes. 10 minutes de questions, c'est bien, voilà. C'était pour ça qu'on me faisait frémir. Et donc, comme... Voilà, je vous en prie. Oui, vous m'entendez, oui. Vous m'avez fait prendre conscience que Méliès est resté curé jusqu'à la fin de ses jours. C'est donc dire qu'il a continué à prêcher le christianisme, le catholicisme, etc., malgré qu'il ait été athée. Alors, depuis quelque temps, je m'interroge sur le fait que les grands évêques, plusieurs curés, des évêques, des cardinaux et même peut-être certains papes d'aujourd'hui ou anciennement aient pu suivre le même cheminement et continuer à prêcher à travers leurs croyances le catholicisme alors qu'ils pouvaient tout aussi bien être athées et ne jamais le dire. Par exemple, si j'étais aujourd'hui cardinal et j'avais un siège à Rome, probablement que, puis que je constatais que Dieu n'existe pas, je serais fou d'admettre cette vérité, par exemple. Et je continuerai probablement à faire semblant d'y croire. Merci pour votre question. Je voudrais avoir votre pensée là-dessus. Merci pour votre question. Je vais répondre rapidement. Hein, c'est une question si souvent posée, donc je m'y attendais effectivement. Elle a été soulevée aussi par l'intervenante précédente, c'est Louise Mailloux. Hein, en son temps, on est là sous la féodalité, sous l'Ancien Régime. Dénoncer le christianisme, prôner l'athéisme, mais ça menaçait terriblement leurs auteurs, au mieux et en comptant sur une énorme clémence de l'appareil ecclésiastique. C'était le vagabondage, hein. Au pire, et c'était le plus souvent, les bûchers. Et entre les deux, tous les supplices de l'Ancien Régime dont on connaît la délicatesse. Hein. Raison pour laquelle Méliès, et il le dit lui-même, hein, c'est par prudence, hein, et parce que j'avais trop la vie, que je ne l'ai pas fait de mon vivant, ça aurait été effectivement très suicidaire de le faire. Et aussi, je pense qu'il a dans l'idée que le diffuser par ces circuits qu'il connaît, des manuscrits clandestins, ceux qui au XVIIIe siècle vont diffuser, on s'y intéresse maintenant de plus en plus à ces circuits marginaux des Lumières. Les Lumières ne sont pas seulement constituées par ces grands penseurs français, d'ailleurs il y a une conception très française des Lumières, elles sont aussi anglaises, elles sont aussi allemandes ces Lumières, mais c'est pas seulement Voltaire et même Rousseau comme pièces rapportées, c'est pas seulement Diderot, Holbach, Lamettrie, Alembert qui les forment ces Lumières, c'est tous ces
penseurs qui diffusent des manuscrits clandestins beaucoup plus radicaux et qui nourrissent la pensée des Lumières. Je pense que Méliès pensait également à cela, raison pour laquelle il ne s'est pas défroqué, mais la première et avant tout, c'est qu'il y avait cette répression. Aujourd'hui, il est plus simple de pouvoir se défroquer quand on est curé et qu'on ne croit plus. Hein. Je ne sais pas si je réponds. Ouais. If I ask a question in English, will you understand? Try to understand. Okay. Thank you for bringing to my attention this extraordinary person. I just went on Kindle, Amazon Kindle, the book Superstition in All Ages, in English is free. You can download for free in English, Superstition in All Ages. And if you try to download it here, it says it's not available in Canada. It's not the text. It's not. Oh, it's a commentary. It's a pity, but it's not. Oh, okay. Bon, le texte qu'on peut trouver en anglais, Superstition, Superstition in All Ages, c'est en fait le texte du bon sens de d'Holbach. Dans lequel il résume son système de la nature qu'il publie, aussi comme le système de la nature sous pseudonyme, de façon même anonyme, je pense. Et après la Révolution française, un éditeur astucieux va, puisque le nom de Méliès circule avec la Révolution à ce moment, va associer le nom de Méliès à celui du bon sens et va parler du bon, et va l'éditer ce texte, le bon sens, en y ajoutant le bon sens du curé Méliès. Et donc pendant longtemps, on va croire jusqu'à ces toutes dernières années que le texte d'Holbach est le texte de Méliès, et en français on fait pire encore parce qu'on y associe le résumé, l'abrégé dont j'ai parlé de Voltaire, et on publie les deux textes. Voilà, tout Méliès, c'est à la fois l'abrégé, c'est-à-dire ce texte qui n'est pas athée, il est anti-catholique, mais il est déiste, mais Voltaire y rajoute cette excuse faite à Dieu d'avoir à ce point malmené, prône la religion naturelle, etc., à côté d'un texte athée, celui d'Holbach. Il y a une contradiction, il est publié comme tel. Sur Internet maintenant, on trouve en français le texte de Méliès tel qu'il a été publié en 1864 par un Hollandais, sans aucun succès. 200 exemplaires seulement sont écoulés dans les milieux libres penseurs de ce mémoire de Méliès. Et ce n'est pas le texte original de Méliès. C'est une copie faite par un copiste dans lequel il y a quelques différences. Mais enfin, puisque les éditions Anthropos s'est épuisée, puisque Coda s'est épuisée, après avoir eu cette première approche, je pense, la plus complète, Roland Desnay qui a étudié, qui a édité Méliès en 70-72, le note, par son ampleur et sa fidélité au dessin de Méliès, cet ouvrage offre à un large public une juste approche de l'œuvre du curé. C'est une première approche que l'on peut avoir. Et puis, si on ne s'est pas retrouvé et si plus aucun éditeur ne veut publier ce texte de Méliès, on peut se le procurer, on peut le lire sur Internet, mais dans une version qui n'est pas la version originelle de Méliès et qui comporte certaines différences pas terriblement important, il vaut mieux lire ça que ne rien lire du tout, mais quand même, il y a des aménagements dans le texte qui ont été faits. Voilà. D'autres ? Oui, c'est plutôt un commentaire. Il y en a qui voulaient les nourritures matérielles, etc. Oui, j'ai entendu parler la première fois, justement, de Jean Méliès à travers la contre-philosophie de Michel Onfray. Oui. Puis ça m'a laissé sur mon appétit. Ça fait, je voulais simplement vous remercier de partager votre passion pour cet individu-là. J'ai bien hâte de lire votre livre. Merci. On connaît mon frère au Québec, ce candidat maître à penser en France, qui, sur fond d'athéisme, c'est son mérite, grand mérite d'Onfray que je lui reconnais. Il a mis l'athéisme pignon sur rue depuis une dizaine d'années. Avant, comme au Québec, je crois, l'athéisme était une pensée honteuse. On était agnostique, libre penseur, mais se proclamait athée, même dans l'université libre de Bruxelles.
Cela se faisait frémir. Il y avait quelque chose de subversif. Il y avait quelque chose de couteau entre les dents, égorgeur d'enfants, de se proclamer athée, comme l'intervenante précédente l'a dit. Mon frère se mérite d'avoir mis l'athéisme pignon sur rue dans sa contre-histoire de la philosophie. Il consacre un chapitre entier, une cinquantaine de pages, à Méliès. Mérite énorme, qui est le sien, d'avoir fait connaître Méliès. Maintenant, toute chose a son revers. Et le problème d'Onfray, qui n'a pas lu Méliès, il reprend du plus mauvais, j'ai dit, il y a 4 ouvrages en tout et pour tout publiés sur Méliès jusqu'à l'heure actuelle en français. Il reprend le plus mauvais, celui d'un Parisien, difficile pour la traduction, un parigot, hein, l'intellectuel imbu de sa personne, qui utilise ce thème du curé pour se mettre en valeur et qui méprise Méliès. C'est ce texte, et Onfray parle notamment du caractère peu structuré du fouillis que représente le mémoire de Méliès à la première lecture, dit-il, et même à la seconde, il faut le faire. Il n'a pas lu. Et quand on lit Méliès, effectivement, hein, on se rend compte qu'au contraire d'un fouillis, c'est un texte extrêmement structuré qui est donné. Quoi. Donc Onfray, grand mérite, penseur qui passe à la télé, médiatique, qu'il continue. Maintenant, il est sur Freud, hein, et d'autres préoccupations. Il va laisser tomber Méliès, malheureusement. Mais c'est grâce à lui, effectivement, en grande partie, que Méliès doit être connu aujourd'hui. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai pu publier cet ouvrage, parce que quel éditeur aurait accepté que je publie un sombre et obscur curé dans un ouvrage aussi, aussi dense. Voilà. Deux dernières interventions rapides, et puis le café.